place Peter Bosz, mis à pied après un début de saison très compliqué. L'OL est actuellement 9e au classement. La mission de Laurent Blanc s'annonce donc assez difficile, Clément Gondolf. Difficile, oui, mais pas impossible pour le champion du monde 98, dont le retour en Ligue 1 se sera fait attendre depuis 2016 et son départ du PSG, vous l'avez rappelé. Dans la capitale, Laurent Blanc avait quasiment tout gagné. Championnat, Coupe de France et Coupe de la Ligue, tout sauf la fameuse Ligue des Champions. Ce qui lui avait finalement coûté sa place. À Lyon, les ambitions seront un peu moins élevées. Avant de rêver d'Europe, il faudra d'abord retrouver le chemin de la victoire après une très mauvaise série. 4 défaites et un match nul lors des 5 dernières rencontres en Ligue 1. Lyon qui a fait un match nul ce week-end, un partout contre Toulouse. À retenir parmi les autres résultats de cette 10e journée de Ligue 1, la victoire de Lille 1-0 hier soir face à Lens dans le derby du Nord. Voilà pour l'actualité. Fin de ce journal. Vous retrouvez tout de suite Patrick Roger et le Grand Matin sur Sud Radio.